Mademoiselle, je pensais que vous reviendriez accompagnée de ces messieurs. Les messieurs voulaient d'abord s'entretenir avec le porteur. Je ne savais pas qu'il était lui aussi détective. Oh non, je crois qu'il travaille dans les assurances. J'ai l'impression que je vais passer mon temps à pourchasser des détectives amateurs sur le bateau. Mademoiselle, pour commencer, qui avait accès à la combinaison du coffre-fort ? Personne. Elle se trouvait dans une enveloppe cachetée qui m'attendait à mon arrivée. Je l'ai mémorisée et j'ai jeté le papier à la mer. 4, 3, 8, 5. Ce n'est pas bien compliqué à retenir. Une enveloppe m'attendait moi aussi à mon arrivée. La date de la bataille de Waterloo. Les coffres-forts sont identiques, mais ils doivent tous avoir une combinaison différente. Le monsieur m'a aidé avec le coffre-fort, puis il est parti. Si ce mystérieux monsieur est responsable du vol, il s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler ses empreintes, mais peu pour cacher ses faits et gestes dans la cabine de Mademoiselle Farquhar. Il y a beaucoup de questions sans réponse, et il est fort possible qu'il les ait, ces réponses. Quelle révélation! Mademoiselle Farquhar, je retrouverai votre étui à cigarette avant notre arrivée en Angleterre. Je l'espère. Me voilà en train de lire mon propre article. Je dois dire que c'est une question intéressante, en effet. L'art ne devrait pas être réservé à l'élite. Tout le monde devrait pouvoir en profiter. En effet. Ah, si tout le monde pouvait être aussi ouvert d'esprit. Merci, mademoiselle. Ce sera... Mademoiselle Babanine, je suis désolé que ce soit dans ces circonstances que nous nous retrouvions à poursuivre notre conversation. Au contraire, quelle chance nous avons que vous soyez là. Je vais pouvoir vous admirer à l'œuvre. Je n'ai pas fait grand-chose. Je suis allée dans ma cabine, j'ai commencé à défaire mes valises, mais je tombais de sommeil. Je me suis endormie. Seule ? C'est une question bien indiscrète, je trouve, inspecteur. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse.
C'était une blague. Oui, j'étais seule. Ne soyez pas nerveuse, vous n'avez rien à craindre. Et ensuite ? Ensuite, j'ai été réveillée par le cri de Florence. Un cri absolument terrifiant. Merci de votre aide, mademoiselle, et du temps que vous m'avez consacré. Bien sûr. Oui, j'ai très hâte. Vous avez été invité à une visite en avant-première à la Royal Edward Gallery. Le monde est petit. Vous y serez ? C'est l'une des raisons de mon voyage en Belgique, vous savez. J'ai eu la chance de jeter un œil à quelques-unes des pièces qui seront présentées et j'écrirai un article après le gala, en espérant que ce soit une réussite. Quelle chance, en effet. Je ne doute pas que ce gala remporte un franc succès. Merci, mademoiselle. Une empreinte ? Magnifique. Il ne reste plus qu'à déterminer à qui elle appartient. Vous en avez trouvé une, inspecteur ? Oh, c'est extraordinaire. Je suppose que vous voulez comparer aux miennes pour m'écarter en tant que suspect. C'est inacceptable, Mark. J'ai présenté mes excuses à madame. Et ça efface tout ? C'était un accident, rien de plus. Un accident qui aurait pu être évité si vous n'aviez pas passé la matinée à boire. Messieurs, vous vous comportez comme des enfants. Assez. Nous pourrions peut-être avoir une discussion plus civilisée, vous et moi. Je vais vous dire la même chose qu'à votre ami. Je ne me laisserai pas intimider. L'intimidation n'est pas mon fort. Mon travail consiste à découvrir l'identité des criminels et à m'assurer qu'ils soient punis. Voilà tout. Et moi, je fais partie de ces criminels ? Ça, je ne le sais pas encore. Qui a parlé de consommer de l'alcool ? Votre haleine l'a fait pour vous. Bon, j'ai peut-être bu un verre pour me détendre. J'ai pas trop le pied marin. J'étais dans la soute à couper un truc avec mon couteau. Il a glissé. Y a pas de mal. Je crois que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire.
Donc, en plus d'être un ivrogne, je suis un crétin. Est-ce que vous avez le couteau en question sur vous ? Non, il me l'a volé et il refuse de me le rendre. Huh. Aha. Mademoiselle Farquhar, sait-elle que vous êtes son chevalier blanc ? Je n'irai pas jusque-là. On a peut-être pris un mauvais départ. Je m'appelle Arthur Hastings. Est-ce que... Elle vous a demandé de la suivre jusqu'à sa cabine, non ? Oui, en effet. Mais je voulais... Parler en privé avec le porteur. Cela faisait partie de votre enquête ? Je ne suis pas détective. J'étais juste... Dans ce cas, peut-être pourriez-vous répondre à des questions cruciales dans le cadre de mon travail de détective ? Que puis-je faire pour vous ? En effet, quel rapport avec l'étui à cigarette de Mademoiselle Farquhar ? Vous allez comprendre. Selon vous, quelle est la probabilité de réussir à prouver qu'il y a eu vol dans une affaire comme celle-ci ? Un rapport émanant d'un inspecteur de police fera certainement avancer les choses plus vite pour l'assurance. C'est bien ce que je pensais. Elle n'y a peut-être pas pensé, mais avec un représentant de la loi et un assureur à proximité, l'idée d'une fraude à l'assurance vient vite à l'esprit. Quand Florence, Mademoiselle Farquhar, m'a dit que quelque chose avait été volé dans son coffre-fort, j'ai immédiatement pensé au porteur. Comment ça ? Ça m'ennuie d'en parler alors qu'il est là, à côté de nous. Je ne contrôle pas le volume de votre voix. Vous avez certainement remarqué qu'il sent la bière à plein nez. Un homme qui boit au travail, je ne serais pas étonné que ce soit un voleur. Sacrée accusation. Et donc, s'il s'avérait que vous aviez vu juste, vous vouliez régler toute cette histoire en privé, c'est ça ? Je voulais lui passer un savon. J'ai perdu mon calme. Bien sûr. Assuré ? Non. Pourquoi l'aurais-je fait assurer ? Tout ce qui a une valeur monétaire importante. Je vous arrête tout de suite, inspecteur. L'étui à cigarette ne vaut rien. Il est très précieux à mes yeux, c'est tout. Non, jamais. En tout cas, pas avec mon autorisation. Vous vous dites sans doute que je suis une femme un peu naïve qui laisse ses objets de valeur traîner. Mais croyez-moi, je ne suis pas comme ça. Pas du tout, je vous assure. Thank you.
sur la piste du coupable. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je suis censée vous servir de cobaye à présent? Je n'irai pas vous comparer à un cobaye. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Bien sûr. Je n'ai rien à cacher. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Un pas de plus vers la vérité. Je ne devrais pas être surpris par mes propres capacités de déduction. Il faut que j'analyse les suspects que j'ai en face de moi. Monsieur Hastings, il veut faire bonne impression auprès de Mademoiselle Farquhar. Il dit qu'il travaillait seul dans sa cabine. Marc Allard, le porteur. D'après les éléments que j'ai trouvés sur le coffre-fort, la tentative d'effraction n'avait rien de professionnel, ce qui collerait avec son état d'ébriété. Mais c'était une supercherie. Le coffre-fort a été ouvert de main de maître, les seules traces détectables étant celles d'une tentative maladroite. Mademoiselle Babanine. Elle s'est récemment liée d'amitié à Mademoiselle Farquhar et a fait son apparition au moment idéal. Outre la valeur de l'étui à cigarette, je ne vois pas de mobile possible pour ce vol. Et Mademoiselle Farquhar a été claire à ce niveau, l'étui n'a de valeur que sentimentale. Je ferais peut-être bien de retourner à ma cabine pour réfléchir à tout ça. Je crains que ces vagues n'aient raison de mon équilibre, voire de mon repas de ce soir. Ah, monsieur l'inspecteur. Alors, cette enquête, ça avance ? Un bon inspecteur doit trouver à la fois le mobile, les moyens et l'occasion. Elle l'a trouvé ! Mademoiselle Babanine, elle l'a trouvé ! Oh, quel soulagement ! J'allais voir le capitaine pour échanger quelques mots avec lui. Mon regard a été attiré par quelque chose qui brillait sous l'un de ses tuyaux. C'est étrange qu'aucun de nous ne l'ait remarqué avant sur le pont. Peut-être que le voleur a pris peur et s'en est débarrassé. Mademoiselle Babanine. Anastasia, je ne sais comment vous remercier. Merci à vous aussi, monsieur l'inspecteur. Je ne suis pas convaincu par les explications de Mademoiselle Babanine, mais je n'ai pas de preuves. Je ne peux rien dire. L'important, c'est que l'étui à cigarette a refait son apparition et que nous nous rapprochons des côtes britanniques. Enfin, je dois avouer que ça me travaille un peu. J'aimerais connaître la vérité. Tout est bien qui finit bien, alors.
pour Mademoiselle Farquhar, même si le mystère n'a pas été élucidé. Si l'on me questionne à ce sujet, je ne manquerai pas de chanter vos louanges. C'est très aimable à vous, monsieur. En parlant de mystère, monsieur Arthur Hastings, vous êtes là pour faire en sorte que le tableau de la Madeleine pénitente arrive à bon port, n'est-ce pas? Comment est-ce que... Vous connaissez mon métier, mais pas ma véritable identité. Je suis l'inspecteur Hercule Poirot. Ah oui? C'est vous que je devais retrouver à bord du bateau? Tout à fait, monsieur. Veuillez me pardonner de ne pas vous avoir dévoilé ma véritable identité. Je voulais m'assurer que vous n'aviez rien à voir avec le vol. Dans notre travail, la confiance est quelque chose qui se gagne. C'est une méthode peu commune, mais après tout, pourquoi pas? Alors, vous me faites confiance à présent? Plus qu'avant, oui. Le gala est dans 2 semaines. D'ici là, avec un peu de chance, vous me ferez une confiance totale. Oui, avec un peu de chance.